Bienvenue à tous dans 90 secondes en musique, j'ai exactement 1 minute 30 pour vous parler d'un artiste. Cette semaine, c'est Dima Ustinov. Alors non, on ne parle pas de ce Dima Ustinov là. Dima a plusieurs alias, comme on dit. Dima Ustinov dans un premier temps, Dima Yaponets et Taras 3000. C'est comme ça que vous le retrouverez d'ailleurs sur Facebook si vous le cherchez un petit peu. C'est un artiste qui me fait un petit peu penser à Niels Frahm. Et quand je dis ça, c'est plutôt un compliment. C'est même assez intéressant parce qu'il arrive à nous transporter dans plusieurs endroits et plusieurs sensations différentes. Pas facile à qualifier, vous entendrez tantôt de la musique électronique mélanger un petit peu douce avec du piano, tantôt des délires un petit peu plus funky, disco, etc. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé un petit peu amoureux de son album VVVVVV. Je crois d'ailleurs que j'ai dit 6V alors que c'est 5. Si vous avez 5 minutes, je vous conseille d'aller écouter cet EP sur SoundCloud. De toute manière, vous pouvez le trouver, tout est dans les notes de l'émission, etc. C'est très simple, c'est cool et ça va vous rafraîchir un petit peu la gargote. D'ici là, je vous laisse avec un extrait de ce fameux EP. Je vous laisse nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. Tout ! C'est parti.